Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Sébastien Michel. Je suis professeur de tarot et d'astrologie. Je donne des cours habituellement en personne et à distance. Cette année, à cause de la situation actuelle, ça sera seulement des cours à distance, donc par webcam, exactement comme vous me voyez actuellement sur mon système de vidéoconférence. Et aujourd'hui, je viens vous présenter ce qu'on pourrait appeler une introduction à l'art sacré de l'interprétation astrologique, parce que beaucoup de gens me posent la question, beaucoup de gens me disent « Sébastien, j'aimerais m'inscrire à un cours d'astrologie, mais je suis quand même curieux de voir qu'est-ce que c'est exactement l'astrologie ou qu'est-ce qu'on va apprendre, qu'est-ce qu'on va faire. » Et moi, je suis un grand, grand partisan de la pratique. Je n'aime pas trop la théorie. La théorie, elle est importante. Il faut évidemment la connaître pour faire adéquatement de l'astrologie. Mais je pense qu'on apprend lorsqu'on est dans de vrais cas, lorsqu'on fait vraiment de l'interprétation. Alors aujourd'hui, je vais faire ce que les Américains appellent un « crash course ». C'est-à-dire que je vais essayer dans une très, très courte période de temps, moins de 30 minutes, de vous initier à ce que c'est l'astrologie et peut-être à vous donner le goût d'aller un peu plus loin avec ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment fonctionne techniquement l'astrologie et on va faire ensemble une interprétation d'un homme mystère. Je ne vous révèle pas tout de suite son identité, je la révélerai uniquement à la fin de la vidéo. Et je suis curieux de voir s'il y a des gens à la maison qui allaient le découvrir avant que je donne l'identité de cet homme-là qui est très, très, très connu, qui est connu par un très grand nombre de gens sur la planète. J'ai essayé de prendre quelqu'un qui transcende les cultures de façon générale. Alors, allons voir ça ensemble, allons essayer de comprendre ensemble. Donc, la première chose qu'on apprend dans un cours d'astrologie, au fond, c'est comment on va monter une carte du ciel. Ce n'est pas tout à fait vrai. Honnêtement, en 2020, aujourd'hui, on va demander à des logiciels de monter, de faire le calcul d'une carte du ciel. Mais en tant qu'astrologue, il faut quand même comprendre ce que le logiciel fait sur un plan technique, sur un plan astronomique, si on veut être capable de la décoder, cette carte. Alors aujourd'hui, je vais être très old school avec vous. Là, je veux travailler avec de vrais outils, pas des choses numériques, pas des choses virtuelles. Dans mes cours, j'ai un mélange des deux. Mais pour aujourd'hui, je conçois vraiment avec le côté physique et tactile parce que c'est souvent comme ça que quelqu'un comprend le mieux quand on a de vrais objets et qu'on manipule de vrais objets. C'est plus facile à comprendre. Alors voyez-vous, on pourrait prendre la Terre là, que j'ai ici dans ma main, et je vais la poser tout simplement sur mon tableau aimanté comme ça. Et comprenez que cette Terre, eh bien, on est sur cette Terre et que tout autour de nous, il y a les étoiles, les constellations et les portions du ciel qui sont attribuées aux 12 signes du zodiaque. Et ces fameux signes du zodiaque que l'on voit, que l'on aperçoit tout autour de la Terre, eh bien, ils font une rotation en 24 heures. Donc, en 24 heures, la roue tourne au complet, c'est-à-dire que le bélier, par exemple, à un certain moment, sera à l'est, et 24 heures plus tard, eh bien, il aura fait tout le tour et il sera revenu à l'est. Bon, enfin, c'est ce que ça nous donne comme impression pour nous qui habitons sur la Terre. C'est l'impression que ça nous donne que ce signe du bélier tourne autour de nous. Et lorsque un astrologue fait une carte du ciel, eh bien, au fond, la première chose qu'il veut savoir, c'est où était le bélier, où étaient les 12 signes du zodiaque autour de la Terre au moment exact de la naissance, au moment de l'heure de naissance de la personne. Alors, si par exemple le bélier était complètement en haut, c'est-à-dire que si j'étais sur le toit de l'hôpital et j'aurais regardé dans le ciel complètement en haut de moi et j'aurais pu voir le bélier, eh bien, le logiciel va placer exactement comme ici le bélier dans le haut de la carte. Donc, tous les signes qui sont ici sont des signes qui sont en haut de la Terre, qui étaient visibles par quelqu'un qui aurait été là au moment de la naissance, il aurait regardé dans le ciel et ils auraient été visibles, alors que les signes qui sont en dessous de la Terre étaient des signes justement qui étaient invisibles parce qu'ils étaient sous l'horizon. On ne pouvait pas les voir parce que le sol nous empêchait de les observer. Donc ça, c'est la première chose que le logiciel va faire. Alors ici, bien, on parle d'une naissance où le bélier est dans le haut du ciel. Et si la naissance avait eu lieu au moment où le bélier avait été sous la Terre, eh bien là, j'aurais tourné mon grand tableau au complet et le bélier se serait retrouvé dans le bas de la carte. Mais ici, il est dans le haut. La deuxième chose que, au fond, que l'astrologue va chercher à savoir, c'est maintenant les astres.
et les planètes, comme le Soleil et la Lune, par exemple, nos astres solaires et lunaires, où est-ce qu'ils étaient dans le ciel? Aussi, on veut savoir est-ce qu'ils étaient au-dessus, est-ce qu'ils étaient à l'est, est-ce qu'ils étaient à l'ouest, ou est-ce qu'ils étaient invisibles parce qu'ils étaient sous l'horizon? Et on va chercher à savoir où ils se trouvent, et encore plus précisément, face à quel signe, face à quelle portion du ciel ils étaient. Donc, si par exemple, je place le Soleil ici, juste devant le signe du Sagittaire, juste devant le symbole du signe de Sagittaire, eh bien, ce que je suis en train de dire, c'est qu'au moment de la naissance de notre homme mystère, eh bien, le Soleil, il était dans la portion du ciel qui est réservée au signe du Sagittaire. Et en fonction de ce que je vous ai expliqué dans les dernières minutes, vous pouvez comprendre aussi que le Soleil était invisible parce qu'il était légèrement sous le tableau, il était légèrement sous la Terre, sous l'horizon. Et en fait, quand on connaît bien l'astrologie, ce qu'on se rend compte, c'est qu'un Soleil qui est placé là, c'est un Soleil qui venait de se coucher à l'ouest. On peut penser qu'il y avait encore certains rougeoiements dans le ciel. Le coucher de soleil, il est officiellement terminé, mais vous avez là l'heure bleue qui suit le coucher du soleil, où est-ce qu'on voit encore du rose dans le ciel? Bien, probablement que c'était comme ça, parce que le soleil, il venait tout juste de se coucher à l'ouest. Donc, la carte du ciel me dit que cet homme a son soleil dans le signe du Sagittaire, et que le soleil venait tout juste de se coucher. Et comme il venait tout juste de se coucher, eh bien, je sais que ce soleil-là était dans ce que l'on appelle la maison 6. Alors, pourquoi? Parce que cette grande roue dans le ciel, elle est divisée en 12 maisons, un peu comme si on coupait une tarte en 12 pointes. Et ces 12 pointes de tarte, eh bien, elles commencent toujours à l'est avec la maison 1, la première pointe, et elles s'en vont dans le sens antihoraire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et à ce moment-là, elles reviennent, autrement dit, à l'est à la fin de la maison 12. Donc, si j'ai mon soleil à cet endroit-là, bien, je sais qu'il est dans la sixième pointe de tarte. Je sais qu'il est dans la sixième maison. On continue. Je place la Lune. Alors, si je place la Lune de notre mystère, je la place juste ici face au signe du Verseau, face au symbole du signe du Verseau. Alors là, vous commencez à comprendre. Vous comprenez que la Lune de notre mystère était dans le signe du Verseau. Et vous comprenez probablement que la Lune, elle était visible au-dessus de l'horizon. Elle était juste un peu au-dessus de l'horizon. Pas beaucoup, mais quand même un peu au-dessus de l'horizon. Probablement que si vous aviez regardé dans le ciel ce soir-là, vous auriez vu la Lune au-dessus des immeubles, au-dessus des maisons dans le ciel au moment de la naissance de notre homme mystère. Et vous l'auriez observé dans la portion du ciel qui est au Verseau, qui est attribuée au signe du Verseau. Ceci dit, la Lune de notre homme mystère se trouve à être à la toute fin de la septième pointe de tarte, donc de la septième maison. Il y a la maison 8, elle est commencée un peu par la suite, un peu après. Alors, vous avez une lune qui est donc dans la septième maison. Soleil en Sagittaire et en maison 6, et lune en Verseau et en maison 7. Finalement, le dernier point qu'on va regarder aujourd'hui pour cette initiation, c'est l'ascendant. Parce que je vous montre au fond aujourd'hui les trois points les plus importants dans chaque carte du ciel. Le soleil qui nous donne notre signe de naissance, la lune qui est le deuxième astre le plus important en astrologie et l'ascendant, je suis certain que vous avez déjà entendu ce mot-là, parler de l'ascendant, donc c'est un point très important. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que l'ascendant, astronomiquement parlant, ce que ça veut dire, c'est que c'est le signe qui était en train de se lever à l'est. Ici, nous avons des astres, le soleil qui venait de se coucher à l'ouest, la Lune qui s'apprêtait à aller se coucher à l'ouest, mais qui était encore visible dans le ciel. Et si on allait de l'autre côté, à l'est, nous pourrions voir le signe qui était en train de se lever dans le ciel. Et le signe qui était en train de se lever dans le ciel pour notre homme mystère, c'est le signe du Cancer et c'est ce qu'on appelle l'ascendant, donc le signe qui était en ascension, qui était en train de se lever à l'est au moment de la naissance. Et ça, ce sont les trois points les plus importants de toute carte du ciel. Donc, si on veut essayer de faire une interprétation brève, mais quand même précise et nuancée,
de notre mystère, on doit tenir compte de son soleil en Sagittaire et en maison 6, de sa lune en Verseau et en maison 7, et de son ascendant Cancer. Je dépose ceci. Allons tout simplement au tableau. Encore une fois, je reste aujourd'hui avec les outils très, très, très classiques. Je n'irai pas vers le tableau virtuel et tout. Je veux tout simplement rester dans la simplicité. Et nous allons interpréter ensemble le soleil en Sagittaire et en maison 7. Alors, comment fonctionne l'interprétation en astrologie? Il faut comprendre tout simplement ce que symbolisent tous les astres et les planètes, tous les signes et toutes les maisons. Et ce sont des morceaux de phrases, si on veut, et le but de l'astrologie, c'est d'interpréter la phrase complète. Et on pourrait dire, j'aime bien une image qui est utilisée par l'astrologue américain qui s'appelle Stephen Forrest, qui est le professeur avec lequel j'ai fait le plus de cours. Stephen Forrest dit même que la planète, c'est souvent la planète ou l'astre, c'est le sujet. Et le signe, c'est le verbe. Et la maison, c'est le complément. Alors effectivement, on a une phrase complète, sujet, verbe, complément. Mais moi, aujourd'hui, ce que je veux vous montrer, c'est un point clé du soleil, du Sagittaire et de la maison 7 pour que vous compreniez comment on fait l'interprétation. Et un point clé du soleil, c'est que le soleil représente ce que nous devons être dans la vie pour accomplir notre mission de vie. Donc le soleil, on pourrait le traduire par notre personnage mystère, il doit être. C'est notre rayonnement le plus important si on veut accomplir notre mission de vie. Donc, le soleil, il doit être. Le Sagittaire, le mot-clé que j'ai retenu dans mes notes de cours et dans mes livres, c'est le donneur de sens. Donc, le Sagittaire représente le besoin de donner du sens à son existence et à l'existence des autres. Et ici, je me rends compte que j'ai fait une erreur. Hein? J'ai écrit maison 7, ce n'est pas vrai. Le soleil, il est en maison 6. Ceux qui avaient suivi, vous aviez peut-être noté que j'avais fait une erreur. Alors, le soleil est en maison 6 et ça sera la lune qui est en maison 7. Donc, notre homme mystère a donc son soleil en Sagittaire et en 6. Et la maison 6, le concept que j'ai retenu de mes notes de cours, c'est celui du service des autres. C'est-à-dire qu'un des concepts de la maison 6, c'est celui du service. Rendre service, se sentir utile aux autres, sentir que l'on apporte quelque chose à quelqu'un d'autre. Alors, l'interprétation, finalement, c'est de mettre tout ça ensemble et c'est de comprendre que notre homme mystère, sa mission de vie, ce qu'il doit être dans la vie, c'est quelqu'un qui donne du sens, qui donne du sens à son existence et à celle des autres. Et parce qu'il est capable de donner du sens à son existence et qu'il est capable d'aider d'autres personnes à trouver le sens de leur existence, eh bien, cet homme-là sent qu'il est utile aux autres, qu'il est utile à la société qui l'entoure et il sent qu'il utilise ses talents et qu'il les met au service des autres. Donc, on pourrait résumer la mission de vie, où on pourrait résumer, disons, le rayonnement principal de notre homme mystère comme étant un besoin de donner du sens à la vie, de trouver un sens à la vie. Et parce qu'il trouve un sens à la vie et qu'il le partage avec d'autres personnes, il fait du bien à ces gens-là, il les aide, il les appuie, il leur apporte quelque chose qui est utile. Voilà la première phrase. Et il faut refaire exactement la même chose, mais avec la lune et avec l'ascendant. La lune va représenter l'âme que nous avons au fond de nous et que nous avons à apprendre à communiquer aux autres, l'âme avec laquelle nous devons toucher les gens, l'âme qui nous anime et l'âme que l'on partage. Alors, la lune de notre mystère, vous vous souvenez qu'elle est en Verseau et qu'elle est en maison 7. Alors, la lune, c'est notre âme, je viens de vous le dire. Le Verseau, le mot ou les deux mots que j'ai choisis, c'est le rebelle réformateur. Parce que parmi les définitions
du Verseau que l'on apprend dans un cours d'astrologie, on apprend que le Verseau est lié à être un rebelle et un réformateur. Et la maison 7, c'est une maison qui est associée à la société. Elle est associée aux autres, aux gens qui nous entourent, la société dans laquelle on vit. Donc, nous avons un homme dont l'âme consiste à être un rebelle, un réformateur dans la société face aux autres qui l'entourent. Nécessairement, le fait que ce soit en maison 7 et la société nous laisse penser à quelqu'un qui aura une mission de vie dans laquelle il y aura beaucoup d'un côté public. Alors, il faut être en interaction avec les autres pour réussir. Mais si on est en interaction avec les autres, il faut au départ que l'âme que l'on a, qui est l'âme d'un réformateur et l'âme d'un rebelle, eh bien, qu'on apprenne à la communiquer dans la société qui nous entoure, qu'on apprenne à la communiquer aux autres qui sont avec nous dans cette grande aventure de la vie. Alors, notre homme, il a l'âme d'un rebelle, il a l'âme d'un réformateur et cette âme de rebelle et de réformateur, il cherche à la communiquer et à la transmettre à l'ensemble de la société qui l'entoure. Notre dernier point, qui est celui de l'ascendant en Cancer, l'ascendant représente un costume que l'on porte, un rôle que l'on joue, une manière de se comporter, une manière d'agir au quotidien dans notre interrelation avec les gens qui nous entourent. Donc ici, on a un ascendant qui est en Cancer. Et donc, on pourrait dire que l'ascendant, il est le rôle que notre homme mystère devrait jouer au quotidien le plus possible. Et le rôle ou le costume qu'il devrait porter, eh bien, c'est celui du Cancer. Et le mot-clé que j'ai retenu des notes de cours, c'est celui du protecteur, c'est-à-dire celui qui prend soin. Donc, le Cancer représente le protecteur, celui qui prend soin des autres. C'est quand même assez simple. Il doit jouer le rôle de celui qui protège. Il doit jouer le rôle de celui qui prend soin des autres. Il doit jouer le rôle du protecteur. Il doit porter le costume du protecteur, de celui qui prend soin. Vous remarquez que nos trois phrases astrologiques nous amènent tous d'un côté d'aide, de relation d'aide, de prise en charge de l'autre, d'apporter quelque chose à l'autre. Nous avions le soleil en Sagittaire et en maison 6 qui nous a dit qu'il devait être un donneur de sens, il devait trouver le sens de la vie, le sens de sa vie, et le partager pour être utile aux autres, ce sens qu'il a trouvé pour sa vie et pour la vie. On a vu qu'il devait être prêt à réformer et à se rebeller avec la Lune en Verseau et en quelque part à transformer la société qui l'entoure. Pourquoi? Parce que si son soleil trouve le sens de la vie, eh bien peut-être que quand il trouve le sens de la vie et qu'il veut être utile aux autres, bien peut-être que ça l'amène à questionner, à remettre en doute ce qui existe actuellement. Peut-être qu'il regarde la société dans laquelle il vit et il se dit « je ne pense pas qu'on aide assez ou je ne pense pas qu'on aide de façon efficace. Peut-être qu'il faut changer notre façon de voir la vie. Peut-être qu'il faut changer notre façon d'aider. Il faut se réformer si on veut vraiment aider les autres. » Et cet ascendant Cancer qui vient confirmer le tout en nous disant qu'il porte le costume du protecteur et de celui qui veut prendre soin de sa grande famille, des gens qui l'entourent, des gens qui sont avec lui. Donc, vous avez vu dans ces étapes, très rapide, évidemment, je brise l'astrologie comme d'un coup, là, c'est-à-dire qu'évidemment, ça peut à la limite presque être un peu simpliste, mais je pense que j'ai essayé de vous la présenter rapidement et facilement sans tomber dans la simplification, mais en essayant de garder une richesse malgré tout. Et nous voyons qu'avec seulement deux astres, le Soleil et la Lune, une position, celle de l'ascendant, nous comprenons déjà quand même assez bien la psyché, la personnalité et la mission de vie de cet homme qui doit trouver un sens à la vie, le réformer et se rebeller contre ce sens afin de l'améliorer pour faire en sorte qu'il puisse être utile aux autres et prendre soin des autres.
Cet homme mystère, je ne sais pas s'il y a certaines personnes qui l'ont découvert, mais cet homme mystère, c'est le pape François, le pape actuel, Georges Bergoglio, que l'on, vous savez, ici, que l'on soit chrétien ou non, catholique ou non, que l'on soit pour la religion, contre la religion, pour la papauté, contre la papauté, au fond, importe peu, je veux qu'on regarde les faits. Je veux qu'on regarde tout simplement la biographie de cet homme. Vous en avez tous entendu parler. Vous avez probablement vu qu'il a été élu pape, mais qu'il a été élu dans une certaine controverse. C'est un homme qui a travaillé beaucoup, beaucoup avec les gens qui sont pauvres, qui est toujours resté très, très proche de sa communauté, qui est contesté même à l'intérieur de l'Église parce qu'il veut apporter des réformes qui sont importantes. Il y a une partie de l'Église qui ne veulent pas ces réformes. C'est un pape qui a délaissé certains appartements luxueux dans lesquels les autres papes vivaient parce qu'il était mal à l'aise avec l'opulence de l'Église face à la pauvreté, du reste du monde. Je ne veux pas dire que c'est un homme parfait, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas encore des choses à améliorer, mais c'est certainement le pape le plus rebelle que l'Église a connu depuis longtemps. C'est certainement le pape qui est resté le plus près du peuple depuis très, très longtemps dans l'histoire de l'Église catholique. Et c'est un pape qui cherche effectivement à réformer et c'est un pape qui cherche à rester très près des gens pour les aider. Alors, je pense que vous voyez quand même comment l'astrologie est très efficace, même quand on la réduit à uniquement trois symboles, et que chacun des symboles ont été réduits à un ou deux mots, et déjà, on a quelque chose qui est très, très parlant par rapport au pape François que l'on connaît, et qui nous parle et qui nous expose sa mission de vie, et qui nous montre qu'il est probablement sur la bonne route dans cette mission de vie-là, parce qu'il ressemble beaucoup au portrait que l'on dresse d'une vie idéale pour lui. En quelque part de ce qui lui est demandé. Alors, le cours d'astrologie, ben, ce que l'on fait, c'est qu'on apprend à faire ça, mais on apprend à le faire de façon encore plus nuancée. Premièrement, on apprend comment calculer toutes les planètes, parce qu'il y a aussi Jupiter, il y a Mercure, il y a Mars, Uranus, etc. Donc, on apprend à calculer l'ensemble des planètes. On apprend la symbolique de toutes ces planètes, de tous les signes du zodiaque, de toutes les maisons astrologiques. On y ajoute aussi ce qu'on appelle des aspects, qu'on n'a pas vu ensemble aujourd'hui, mais on y ajoute ce type de choses-là. Et après, on apprend à faire de l'interprétation, comme je viens de faire, avec l'ensemble des mots-clés. Pas juste un ou deux, mais beaucoup, beaucoup de mots-clés que l'on apprend à jongler et à interpréter pour construire des phrases. Et ultimement, on apprend aussi, comme on vient de le voir, à mettre les phrases ensemble pour faire une synthèse pour comprendre l'ensemble de la carte du ciel. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette présentation d'astrologie. Pour ceux qui sont intéressés à aller plus loin, vous avez ma chaîne YouTube qui est tout à fait gratuite et qui contient beaucoup, beaucoup de matériel pour apprendre à faire l'astrologie à la maison. Il y a aussi potentiellement mon livre, Trouver le bonheur avec l'astrologie de coaching, qui peut vous permettre d'apprendre l'astrologie à la maison. Mais pour ceux qui veulent la formule, eh bien, la plus performante, hein, c'est d'interagir avec moi, c'est de prendre le cours directement avec moi. Sachez qu'il y aura un cours d'astrologie le lundi soir, à tous les lundis soirs, dès le 14 septembre, de 19h à 21h, heure du Québec. Et c'est un cours qui est en direct. Vous me voyez, vous m'entendez, je vous vois et je vous entends. Donc, vous pouvez me poser des questions. On va apprendre l'astrologie ensemble. Vous allez interpréter l'astrologie devant moi et je vais vous corriger, vous accompagner, vous améliorer, vous dire ce que j'en pense et tout. Donc, c'est un niveau dans lequel il y a beaucoup, beaucoup de pratique. Et pour ceux qui préféraient le tarot, ben, allez voir sur mon site web. Vous allez voir qu'il y a aussi deux cours de tarot qui s'en viennent en septembre. Un pour le Québec le jeudi soir et un spécialement pour l'Europe avec un horaire adapté à l'Europe qui va être le mardi. Donc, tous les détails sont sur mon site web, à la fois le détail sur les cours et pour s'inscrire, vous pouvez trouver tout ça. Et ça me fera bien plaisir de vous apprendre l'astrologie. J'espère que vous avez aimé ce qu'on a fait aujourd'hui et peut-être qu'il y a certains à la maison qui avaient carrément trouvé qu'on parlait du pape François.